Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Everybody's ready? Okay, let's start. So, make sure you have your sketch in front of you and to just start slowly and the rest of what you do, you continue it. So, how to be strong in the midst of storm? That is our activity for visual art today. Comment être fort pendant les difficultés, pendant les... quand il y a les problèmes, quand il y a les tempêtes. Alors, donc, c'est cette activité que nous allons faire pour en art aujourd'hui. So, today, as I said, we will be doing something different. The last painting were about fall painting. We did all the winter painting. But today, we do something different. We want to explore the mental wellness, how to use, what strength to use to cope when we are in the midst of difficulties. That is the theme of our visual art today. So to start, the step one is for the teachers who are following me. What I ask the student to do, I ask them to make a list, okay? List of four things. We have like four categories, okay? And ask them to write, to make the list of positive things about the COVID-19, about the current pandemic, and the negative sides also, and the accomplishment, what they were able to accomplish during that time that we all are locked down, and also ask them their coping strategies. So the students, they make that list, and we share it. They told me with their friends, they share what they did, and that was the first step. The second step, I asked them to pick only four big things from each category. I asked them to pick one thing in the positive, one thing in the coping strategies. How do they cope? If tomorrow there is another pandemic, how they will cope? The third one, I ask them to write to pick one thing that will represent their accomplishment, what they were able to do during this COVID-19 time. And the last one, I ask them to pick one thing. It can be positive and negative. I gave them the choice. I ask them to pick something that make them remember the pandemic, what stood out, stand out for them. So, pour les amis en français, pour la pandémie, j'ai demandé aux enfants de faire quatre choses. Je leur ai demandé de faire la liste de toutes les choses positives de la pandémie. Ensuite, je leur ai demandé de faire la liste de toutes les choses négatives. Donc, also, ensuite, je leur ai aussi demandé de faire la liste des choses, des stratégies qu'ils ont utilisées pour survivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent tenir? Et la dernière, je leur ai demandé de me faire la liste des choses qu'ils ont pu accomplir pendant la pandémie, puisque nous tous, on est confinés. Alors, donc, ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, donc, je résume rapidement. Quatre choses, ils font la liste de ces choses-là sur leur cahier, et ensuite, ils partagent avec vous. Et la deuxième chose, vous leur demandez donc de sélectionner parmi ces quatre groupes, quatre choses qu'ils vont représenter. Alors, so when the student choose four things that will represent, you will use for art four different canvas, because it's painting. They love painting, let's go with the painting. So another alternative, if you don't want to paint, you are not comfortable with painting, okay, with the student, I mean, you can ask them to draw. Remember, the student, they can do anything. But I like to explore painting this year a lot because the previous year, a lot of students did more like painting, not painting, but other tools than the paint. So I like to explore that this year. And that is almost like our last painting session for the year. Okay, the next time, for art, visual art, I will explore more like the tools. We go more like craft, we become like more crafty, like, okay? So it's coming soon. Donc c'est ça. Nous allons donc commencer notre activité. Donc si vous demandez aux enfants de représenter, puisque vous avez fait quatre catégories, vous devez donc leur demander d'avoir quatre canvas différents. Alors, vos canvas, you can have them Dollarama, they're cheap, they're two for $1. You have a choice to have four of, it have to be four because the four thing we picked, remember? And we can have a medium one, the big one, you can use anything you want. But for the student, I prefer the small ones because at the end, they have to place them together to create the mural, the mini mural about the, I'm putting the other one here so you can see very well. Donc pour les enfants, il faut acheter les petits canevas, comme ça ils peuvent les utiliser pour créer donc à la fin une mural. Donc je vais vous montrer ce que ça va faire à la fin pour que vous ayez à peu près une idée de comment ça va être quand ils finissent. Voilà, vous voyez, donc je mets ensemble et donc quand ils vont finir, ils vont les mettre ensemble comme ça.
ça va créer quelque chose du haut pour eux. Donc, vous pouvez faire comme ça. You have student, remember, you can also do like this way or this way. It's up to you, okay? I forgot to tell you that last time. Donc, ils vont mettre ça ensemble et puis ils vont créer quelque chose. Donc, quand les enfants les mettent ensemble, il y en a qui font faire donc différents dessins. So now, when the students are creating their sketch, you have to make sure that they understand what they're doing. They can pick several things to represent on each one, depending on the categories, or they can just pick one to represent. It's what they do. So, and also, when they finish their sketch, you have to give them the feedback. Tu dois leur donner le feedback, les commentaires de comment est-ce qu'ils ont, quand ils vont finir de faire leur dessin, ils doivent pratiquer le dessin sur une feuille blanche avant de mettre ça sur la peinture parce que, en fait de peindre parce que vous savez, la peinture est délicate. Donc, c'est ce que moi j'ai fait avec eux. Ils ont dessiné et j'ai corrigé, je leur donne le feedback. So, when the students pick their four things, they have to do the sketch on a white paper and how they want to put it there, because remember, the painting is delicate, okay? You don't want to be a lot of mess, okay? So when they finish that, what they do then they choose how they want to represent them. They can choose, they can do a picture on each one, okay, individually, or they can do, like, they can put together and do a whole picture in the middle. I have some students who did that, but some of them, they chose a different way to do it. They decided to do each picture for each of the categories. To summarize, when you go to the painting, it's four categories. One is the positive, the coping strategies, the negative, and the accomplishment. Ça sont les quatre domaines. Donc quand je résume encore rapidement, quand les enfants font la peinture, rappelez-vous ce qu'ils vont peindre. C'est comment est-ce que ils survivent pendant ce temps de confinement. Donc ils vont avoir, donc je leur ai demandé, donc les quatre domaines vont les représenter. Donc ils vont choisir quelque chose de positif, quelque chose leur accomplishment, ce qu'ils ont pu réaliser de bien, de positif pendant ce temps-là, et comme on appelle ça, nos stratégies, comment est-ce que ils ont fait pour survivre. Okay, pour que demain, si encore une autre pandémie, on ne le souhaite pas, qu'ils sachent comment faire. Donc, qu'ils sachent comment faire. Donc, maintenant, le dernier, je leur ai aussi demandé de choisir quelque chose qui va les aider à se rappeler du temps de confinement. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. So now, that's for me. I'm sharing my work with you. So, I have all my list ready and I picked the most important things that I want to share with you. First, let's have a positive. Something positive for me, and I will represent it in a few minutes, is my faith. My faith grew. I grew my faith because I go to church. Yeah, I'm a Catholic, but that time, the COVID-19 time, the pandemic is the time for me to get closer to God, to pray more. So the positive is my relationship get better with God and to myself, and mostly between God and my faith. But that was a positive. One coping strategy, what I like to do to cope, it was two things I used to do every day. I pray more, always pray in the morning, pray, and the rosary. I did the entire rosary every day, the four mysteries, the four of them, the mysteries, you know them, the Catholic, I don't want to go into detail, but the four mysteries of the rosary, I did them all every day. And also went for a walk. Every day I'll go for a walk, you know. And I remember I always have, like, close to me a lake. I will go to the lake, meditate, walk, have some fresh air and come back. That one of the two coping strategies that helped me. So praying and going out for a walk and to go close to the water. So and the number, that was the second one. The last one is, the third one is accomplishment. What I was able to accomplish. I became creative. Yeah, I became creative, yes. And I start thinking, how can I help people to be with my skills, with my talents? So, and the idea that came to my mind was to create a YouTube channel, okay? You know this, the channel you are watching now, La Case Bilingue Virtuelle de Cantonaux. So I add my name because there are so many things online that it's easy for you to identify my website. So I created a YouTube channel to help people to put online. I know there is a lot of teachers who are struggling, have challenges with online teaching. So I thought what I'm doing can help somebody else. I may not know, but whatever I do that I think that's good as a teacher, so let's put it online to help the teacher, to help the student, is what I did. So one thing accomplished was
I have accomplished was to create my own YouTube channel. The second thing, also one of my friend Mohamed Sidi Bey, he put together the skeleton of my website, and I bought a domain under my name, rosecantino.org, and everything, all the initiatives I'm doing, I put them there. And one of them is the YouTube channel I talked to you about. One is I work on one of the initiative for 2021, and I created ABC Education Bridge Connections. That a platform I'm offering to teachers in the community and abroad, to give them some training on their own time, you know, like we training, and to share resources with them so that they can become more to help the students. Those are the two things. And the last thing also, I'm helping a school in Burkina Faso, a refugee school. So I was over during the COVID-19, starting in June, I started making some mini fundraising to help the children in Africa, especially in Burkina Faso, because those children, due to a political situation, they became refugees. So that's the three things I did to as an accomplishment. And the last thing, for how to remember the COVID-19. A lot of my children they chose the mask, but I took my thinking on a little bit higher. What I admired was the globalization, the international help, the international collaboration. Everybody come together to help people in your community. That's what I remember for when I think about the COVID-19, is what I remember. For globalization, all the leaders, despite the political view, they come together to fight against one enemy, the COVID-19. That's what I remember. So in French is, quand j'ai demandé à mes élèves de choisir donc les quatre choses qui vont représenter, moi donc je vais donner mon exemple. Ce que moi j'ai fait donc, j'ai aussi fait la même chose que les élèves, j'ai réfléchi. Donc voilà les quatre choses que j'ai pris. Donc du côté positif de la pandémie, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de Dieu. Je suis devenu plus fervent dans ma foi a grandi. Donc je me suis retrouvée, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Et chaque jour je suis catholique, je fais le rosaire tout entier, les quatre mystères, et ça m'a beaucoup rapprochée de Dieu, et c'est ce que je retiens de positif de la pandémie. La deuxième chose, c'est la deuxième chose donc, c'est comment est-ce que j'ai survécu. Donc quels sont les mécanismes, les stratégies que j'ai utilisées? J'avais seulement deux stratégies que j'utilisais. Je priais beaucoup tous les jours, je priais beaucoup. Et puis, la deuxième, c'est que je marchais beaucoup. Donc, chaque matin, je sortais, je marchais une heure le matin, une heure le soir, dépendamment du temps. Et aussi, je méditais beaucoup près de l'eau. J'habite à côté d'un endroit où il y a de l'eau. Donc, je vais toujours là, à côté de l'eau. Et là, j'ai déménagé. Je suis maintenant à Hamilton. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donc à la plage à côté. Donc, je vais tous les jours pour vraiment méditer. Donc, ça, c'était pour les stratégies pour survivre. Ce que j'ai utilisé, moi, qui marche pour moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc, la troisième, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les accomplissements, ce que j'ai pu créer. Alors, donc, le temps de pandémie m'a permis d'être plus créative. J'ai donc commencé à penser comment est-ce que je peux utiliser mon temps, mes talents, mes dons d'enseignante, mais aussi mes dons de Dieu pour aider les gens. Et donc, c'est pour cela que j'ai créé donc la chaîne YouTube que vous regardez, la case bilingue virtuelle de Cantino. J'ai acheté Cantino parce qu'il y a tellement de choses en ligne que le Cantino vous permet de retrouver facilement mes vidéos. Donc, ça m'a permis de mettre en ligne toutes ces vidéos. Je me suis dit que peut-être ce que je fais à la maison en tant qu'enseignante, ça peut aider notre enseignant. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la première chose. La deuxième chose aussi, j'ai créé mon propre site web. J'ai un ami, Mohamed Sidi Bey, merci Mohamed, si tu m'écoutes, qui m'a beaucoup aidé, qui a mis en place un site web pour moi, que j'ai acheté mon propre domaine, rosecantino.org. Comme ça, toutes mes initiatives, je peux les mettre là. C'est plus facile pour moi de les retrouver au lieu de... Parce que j'ai l'impression souvent, mais tout ce que je fais, ça se perd sur le site web de Facebook ou bien sur WhatsApp. Donc, mon site web, c'était ce que j'ai créé avec l'aide de Mohamed. Et c'est moi qui le gère. Je fais les changements comme je veux. Donc, du coup, j'ai agrandi, j'ai travaillé mes capacités technologiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce site web aussi m'a permis de mettre en place une nouvelle initiative pour 2021. Qui est l'éducation Bridge Connection. C'est une initiative que j'ai mis à la disposition de tous les enseignants pour leur permettre pour partager avec eux mes ressources et puis mes connaissances, et aussi pour les aider avec les élèves. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à donner des ateliers de formation sur différents thèmes. Ça dépend des enseignants. Vous pouvez visiter mon site web après pour en avoir plus.
que vous pouvez regarder. Donc, je donne une formation gratuite aux enseignants. Je partage mes ressources. Tout ce que j'ai, que je peux faire pour aider la communauté, je le fais. Et avec, pas seulement ici, mais aussi à l'étranger. Parce que j'ai des sœurs qui sont enseignantes. Il y a une sœur en France et j'ai d'autres en Afrique. Donc, je partage mes connaissances avec tous les enseignants. Donc, voilà les deux choses que j'ai pu faire comme accomplissement. Le dernier, c'est la levée de fonds. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime le côté humanitaire. Alors, je travaille beaucoup, j'aime aider les gens en Afrique. Donc, depuis le mois de juin, j'ai commencé à faire une levée de fonds avec l'aide des amis de la communauté, tous ceux qui veulent bien m'aider. Et aussi avec mon ami, très grand ami, Elsie et Kolko Koyara, nous avons donc créé une initiative pour aider les enfants réfugiés au Burkina Faso. Donc, voilà ce que nous avons fait pour un de mes accomplissements, les trois. Donc, la dernière des quatre catégories, c'était comment est-ce que je me rappelle la pandémie. Donc, pour la pandémie, ce dont je me rappelle, certains de mes élèves ont choisi les masques, mais je n'ai pas voulu prendre les masques. Moi, j'ai pris plutôt la globalisation, l'aide internationale, la coopération internationale. Comment est-ce que de partout le monde, les gens sont venus pour vraiment, sont mis ensemble pour travailler, pour penser, pour lutter contre le virus du COVID. Donc, ce sont les quatre choses que moi, j'ai fait pour mes élèves. Donc, maintenant, on va commencer. Donc, voilà ce qu'on a fait. Voilà l'activité expliquée, grosso modo. Donc, vous allez la suivre. Vous pouvez la modifier avec vos élèves. Si vous ne pouvez pas faire la peinture, vous pouvez faire le dessin. C'est facile. Les enfants, ils adorent dessiner. Donc, moi, mes élèves de 7-8e année, je vais prendre leurs habiletés à un niveau plus supérieur. Donc, je vais les aider avec la peinture. Alors, donc, everybody who's listening to me now, let's go, let's start. Again, when you start your painting, I already gave you the feedback. Je leur ai déjà donné mon commentaire, le feedback pour qu'ils commencent. Donc, commencez toujours avec comment vous voulez représenter votre dessin, how you want to represent it. So, again, it will be different for everybody because remember, we all have different things on our agenda. What you pick is different. So, now I will start to represent mine and you can start yours at the same time. But again, the idea is choose just a suggestion, okay? C'est une suggestion. Since you have four different things, you can choose four different colors. C'est une idée. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, it will stand out more. I'm speaking to people to the student who has like four different colors. If you have like a one big, you can choose what color you want to use. But remember, you want to make it memorable. It's your remembrance piece for the pandemic. So it has to be your masterpiece of the year. It has to be phenomenal. It has to be the best of the best, the cream of the cream. Because remember, since almost all three months, we are all doing painting. So now that is your masterpiece. So for me, I will start representing you what I will show. But since it will take a lot of time, today I will just start with you, showing you how we'll do it, and you start yours. So I'm starting with the positive, okay? I'll start with the positive category. What I chose, what is positive for me, I will put it here. So again, for me was, I said to you before, I pray more and I was closer to God, it's my faith. Again, remember, you can use words to paint. You can use pictures, you can use everything you want to paint because that is your masterpiece. So it doesn't follow just your creativity. So ça c'est notre dernier dessin pour l'art. Donc ça doit être le meilleur. Le meilleur parce que vous avez appris pendant toutes les vidéos que j'ai mis en ligne, si vous avez suivi, vous avez fait différents thèmes. Alors aujourd'hui c'est le dernier. Aujourd'hui, demain, ça va être le dernier. Donc, il va falloir que vous mettez tous vos outils ensemble pour vraiment développer vos créativités. OK. Pour ceux qui nous suivent encore, vous avez besoin donc pour peindre de... You need always your pencils. I always show you this one because they have all the whole pack. The flat and the round one. You need your pen. And I have this one where I put my brushes. OK. Student, you can do your work. You know, Miss Continua, I have to explain to the people who are following me. OK. So, and you have your paint, of course. You need the plates, les petits plats. Prenez ceux qui sont plastiques comme ça, vous pouvez les réutiliser. Use the plastic ones so you can reuse them. You need your four canvas because we are painting four different things. And you need also the tape. Remember, I told you the tape help you to make the limit. Let's say if you want to paint like the sand or you want to paint something, you can use it easily. It's easy, okay? So, and the other one is you need the water, some water, because when you paint, some water you can put your
your pencil inside pour de l'eau. Donc, besoin de son palais, you need also some kitchen towel to clean up the mess because it's painting. And I have two, I have a paper one and I have the clothes one, so two. Because the clothes one is easy for me to make it wet and to erase it. Remember, in one of my videos, I show you how to correct, okay? Comment j'ai montré comment corriger la peinture. Parce que la peinture, tu peux pas l'effacer. You cannot erase it, so you have to use the cloth, make the wet and clean it up. Je vous ai montré ça. Alors donc quand vous faites la peinture, c'est pour la musique. When you do painting, you need music, relaxation music for the student because the kids normally they don't talk, okay? Because they have to focus. So the music calm them down and make them open up their creativity and so that they can be more focused. So. On va commencer maintenant. Moi, je vais donc vous montrer un peu. Je vous ai déjà montré. Donc, cette activité, puisque c'est différent, on ne va pas peindre les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes techniques. Donc, ça va être votre créativité. So, this activity is a little bit different than the other one I did because it's not, we don't have the same coping strategies. We don't have the same positive. We don't have the same accomplishment. So, it'll be different for each person. So, now, what you need to do also, you can use a pen to, you can, if you don't want to paint, you can write. I mean, if you want to use a picture, you can write words on your with the paint, of course. You can do whatever you want, it's your painting. So, moi, je vais commencer par le mien plutôt, et je vais commencer par le côté positif, I'll tell the positive. I said before, one thing that I observed for the COVID-19 is my faith in God, and this, I grew that. So, how do I represent it? I pick one picture. The picture, normally, you ask the student to have a sketch on it, to have it ready, so it's easy for them. But my picture, I have it in my mind, okay? I don't need it on paper, it's red, it's fresh here. So I will use it and put it here. Je vais utiliser le jaune. I will use the yellow. And the picture I want to make is, I want to do the sun to represent the light. How bright is my light become, as my light become, became so bright because of my faith in God. So I will then do it easily. Remember, you need to represent what makes sense to you. And you can use anyhow, any way to paint whatever you want. Donc moi, je vais commencer par le côté positif. J'ai dit que la crise m'a permis de me rapprocher de Dieu, de prier plus. Alors, je vais utiliser le jaune. Pourquoi le jaune? Le jaune pour montrer comment est-ce que ma lumière est devenue autour de Dieu. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais représenter. Alors, je vais utiliser ça un peu comme, un peu dans le ciel. Comme, comment on appelle ça? On appelle pour représenter, pour que ça soit comme des reflets. Alors vous allez voir comment je vais le faire tout à l'heure. Alors suivez bien, je vais utiliser comme le je vais faire mélange, je vais utiliser les mélanges de l'automne, ok? The positive, I'm using yellow to show the light, how bright my faith became. The yellow to symbolize the light, okay? And I'm using that in the background to do the sky. The sky became so bright, so yellow, full of sun. And I also add like the reflet.
I'm using orange and yellow as my background. Je vais utiliser l'orange et le jaune pour montrer vraiment parce que les couleurs qui sont en train. J'aime pas trop le rouge. Je vais prendre les couleurs de l'automne un peu, these are the fall colors I'm using, okay? To create, to do my sky. So I'm using the technique I taught you for the fall. Tell the music, I'll just put in the part of the music. Always use the music when we're still not painting. Ceux qui veulent faire l'activité, si vous ne voulez pas faire la peinture, vous pouvez dessiner. Demandez aux enfants de dessiner, c'est une modification. Et vous pouvez le faire en ce temps de confinement, vous pouvez le faire à tous les niveaux. Donc c'est ça. Donc la même chose, les quatre catégories. Et les enfants le font, ils peuvent le dessiner, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ça dépend de vous, ça dépend des élèves que vous avez et de vos niveaux. For what I was saying again, just a reminder, if you don't want to paint with your students, that activity for the COVID-19, the pandemic, a mental wellness activity for your student, we can ask them to draw. Remember, you have all the kids can do it. You have so many, and it touched everybody from kindergarten to grade. That's a great activity. And when I read the coping strategy from my student and the accomplishment, I was wowed. Quand j'ai lu, quand les élèves ont partagé avec moi leur stratégie de survie et ce qu'ils ont accompli, vraiment, ça c'était vraiment excellent. Donc, c'est une activité très simple pour pouvoir faire un art. Vous voyez, les simples et vous décidez comment vous voulez la faire. Alors, donc, moi, je fais le mien. Je vous ai dit l'activité numéro une pour moi, c'est donc ma foi en Dieu. Et donc, je vais peindre le ciel est devenu plus. Il n'y a plus de nuages. Donc, je vois le ciel est devenu plus clair. Donc, j'utilise un mélange de jaune et d'orange pour donc montrer. Comment est-ce que le ciel est devenu clair? Vous voyez? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Tu crées toujours le... Donc, vous pouvez faire des ajouts.
Okay, the title of the activity is Being Strong in the Midst of the Storm. Donc, le nom de l'activité c'est encore, je le répète, Être fort pendant les temps de tempête, pendant les difficultés. Donc ça c'est ma peinture numéro 1 que je viens de finir ici. Je vais donc tourner un peu pour pouvoir ajouter ce qui va venir après. Je vais utiliser donc le bleu, le blue. I'm using the blue now to create what comes next. My faith in God grew, so I was thinking how to represent it. Je pensais que je vais faire comment est-ce que je vais représenter ma foi en Dieu. Et là, j'ai le ciel pour montrer comment est-ce que c'est devenu plus bleu. Et je vais mettre donc ici une chose très importante. Vous devinez quoi? Beaucoup de gens. Okay. How to represent the growth? What I did to represent? So, I'm trying to find the finest of my brushes. Let me see for this one. So the next activity, I have to pull my sleeves because I need to make some dots, okay, small dots here. So I will make some small pictures here to represent my faith here. And the first one will be the rosary, okay, the rosary, because I did the rosary a lot of time. So but to represent the rosary, since I cannot do the whole beads, I'll just represent the cross, okay, the cross of the Lord, I'll represent it here. So that will be easy, and I will use the bead, you know, to do that. Okay. Donc je vais utiliser le rosaire. Mais puisque je peux pas faire tout le chapelet entier, je vais donc faire la croix et je vais utiliser donc mon pinceau le plus fin pour faire une petite croix. Donc j'essaie de voir comment est-ce que je peux faire ça pour ne pas que je cherche le plus fin mais je ne le vois pas. Oh, c'est ça, je l'ai ici. Je l'ai ici. Regardez encore. Et voilà. Alors, quand les pinceaux sont secs, one with pencil a little bit hard. You can put them sometimes in warm water. Okay, it's help. Remember, when you do paint, you don't have to worry to be that you mess. You make a mess. If you make a mess, you change it, you organize it, you make it nice. So look what I'm doing now. I will use that and roll it on my fingers. But if I want to try it and I'm not sure I will be, you can use, as I said before, a paper. Si vous voulez commencer à dessiner quelque chose et puis vous éditez, vous utilisez un papier blanc. Use a white paper to test it first, so that way you know that you not make mistakes. So I want to try something, but I want to make sure that since my canvas is a little small, I want to try to see if it will work the way I wanted to do it. So je vais le faire sur. Oui, ça marche. Okay, you test it first on the white paper. Okay, it's what I'm doing. You see, I want to do some nice dots, and before I put it here. So what I did, you can use the thumb, tu fermes le fist et tu mets la peinture dessus. It's a strategy to put all the hair of pencil together. Donc tu vas faire comme ça. Et je vais faire les points. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à faire les points pour faire la croix. So, donc je vais tourner pour être sûr que. Et là je vais l'enlever. I will remove it and to put it down flat on the table. Pour être sûr que j'ai ce que je veux. Parce que là, je n'arrive pas avec le chevalet. Et voilà, je me suis trompée. Voilà. You see, I made a mistake here. You see, I just made. So what you do when you messed up like me, it's easy, no stress. You take a nice gloves. Okay. And you raise it. You see, make it wet. And you clean it. It will go away automatically.
Vous voyez? Voilà comment on enlève la peinture sur, sur le canvas, le canevas. Donc vous mouillez un petit fond très, très propre. Et puis vous l'enlevez, puis c'est de l'eau, c'est la peinture va partir. Donc c'est une manière très simple pour enlever. Et si c'est la partie est grande, vous laissez sécher avant de peindre. So, if you make it wet, you clean it. And if the place, the part is too big, you let it dry before you do it again. So. Voilà, j'ai fait une croix, ok, pour symboliser ma foi en Dieu. Donc j'ai fait une croix, en fait ça simple, c'est pas, c'est seulement pour vous rappeler ce temps, le côté positif. Donc j'ai fait ici, sur la croix, et là je vais faire autre chose, sur les côtés. Je peux donner un bol le relief. Maintenant, je vais ajouter un mot. I will add another word. So I said my posse was my favorite glue. So I replaced with the yellow, the sky, the yellow sky brighter, and I did my cross in the middle to represent God. Okay, with my faith in God, and I did the corners for me to remember the rosary. Le rosaire, parce que le rosaire, la couleur de la Vierge Marie, c'est le bleu. Donc j'utilise le bleu là pour la Vierge Marie. Je vais donc faire le bas ici, le bleu. I'm using the blue now to represent Mother Mary. Catholic, and we pray Mother Mary. So I'm using the blue because the blue is the color of the Mother Mary.
if you see that picture, it's it gives an impression that you have like the wave, the water, the blue, which also represent Mother Mary, and like the cross coming out from out of the water. So this perspective it gives, it's a perspective que ça donne. Et voilà. So today is our part one of our mental wellness activity in visual arts. I took some time to introduce it to you. So today is the part one, and tomorrow we continue and to draw the rest of the three different parts. To summarize this activity, the activity is a good activity for your students. To reflect on the COVID-19, to reflect on the pandemic, to reflect on themselves, to reflect on the importance of their lives. It's really important, so I encourage you to do it if you can. It's a nice one, and I saw the result of my students. Donc, pour résumer, aujourd'hui, c'est la première partie de notre activité sur la pandémie, comment être fort pendant la difficulté. Donc, les enfants, pour résumer, ils ont fait quatre catégories, le code positif, négatif, leurs accomplissements, et puis une chose qu'ils peuvent retenir, qu'ils vont garder pour un souvenir de la pandémie. So, et donc c'est ce que nous avons donc pris, et nous avons donc essayé de représenter ça, et chacun va avoir des dessins différents, puisqu'on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas la même réflexion. To summarize, that was the small activity I wanted to share with you in my virtual class, my grade 7-8. To summarize, the title is Be Strong, How to Be Strong in the Midst of Storms, the Midst of Difficulties. The student brainstorm positive, positive, negative accomplishments and coping strategies from the pandemic. They made the list and they chose which one they want to represent. So the step two, they sketch it out, they try to represent how to write, or to not write, but to draw how they want to represent it. And when they finish, we put them four different canvas, and we represent each of them with you. And I just share with you my copings, strategies, my accomplishments, and one of them is, the first one is a positive, I said the positive one, and how the COVID-19, the pandemic, it made my faith grew my faith, I came closer to God as before, and that's very positive for me, okay? And how I to represent it, so I use the yellow to represent the sky. The sky is like with a limit, white, not white, but yellow sky with the sun. I know it's winter, but you know what I'm talking about. So I make it sunny, donc j'ai utilisé le soleil pour représenter la clarté du ciel, comment est-ce que ma foi a grandi en Dieu. Et j'ai utilisé le rosé parce que j'ai fait beaucoup le rosé chaque jour comme un moyen de me rapprocher de Dieu. Donc c'est ce que j'essaie de représenter, le bleu. Et j'avais la couleur en bleu, puisque le rosé, c'est lui. Et puis maintenant, j'ai ajouté la couleur bleue en bas, comme, un peu comme la mer, comme un fond, une perspective de la mer, le bleu, pour montrer, pour représenter la Vierge Marie, parce que c'est notre fondation, c'est notre maman, c'est la mère du Christ. Donc j'ai mis ça en bas pour représenter le bleu, pour représenter la Vierge Marie. Okay. La fondation qu'elle nous donne, l'amour qu'elle nous donne pour nous supporter, c'est que là vous voyez que la croix est au-dessus de nous. Donc voilà comment j'ai essayé du bleu. Donc voilà, ça c'est tout. Donc voilà, en 45 minutes, expliquer la leçon. Thank you very much for the people listening to us this in 45 minutes period to explain to you how we did it. Tomorrow will be the part two. We continue the three other parts, and I'll show you how I represent mine. And the third part, the student will share the result with us, and I'll tell you how they can organize it to give them to share the result of the student with you who are following me online. So that's about it for today. Merci, thank you for listening to that video, and I hope that activity will help you. J'espère que cette activité va vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me les envoyer directement à rosecantino@gmail.com. Si vous avez le temps, visitez mon site web rosecantino.org, parce que je suis en train de l'organiser, et vous avez certaines de ce que je fais. Les choses que je fais sont déjà là-dessus. Donc encore, mon nom est rosecantino.org. Vous allez trouver tout ce que je fais là, et j'essaie de l'organiser. Donc merci beaucoup, et puis à demain pour la deuxième partie de l'art sur comment rendre nos jeunes, comment être fort, pas seulement nos jeunes, mais nous-mêmes, comment être fort au milieu des difficultés de la vie.
Thank you very much for watching the video. So I'll see you tomorrow again, with part two, to show you how to be strong in the midst of storms, in the midst of difficulties, in the midst of the pandemic, because we want to strengthen ourselves, we want to strengthen our mental, so that we always, we are good. We go to yourself, go to people around us. Thank you, and I'll see you tomorrow. Thank you. Bye.